Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour commencer une créa ensemble, parce que là j'ai pas beaucoup de temps cette semaine pour scraper, mais j'ai envie de faire une page de art journal avec ce tampon que j'ai trouvé chez Noz lors de mon dernier haul. C'est un tampon Art by Marlène. Donc oui, mon éléphant sera rose. On s'en fiche chez Art by Marlène, hein. Il y a des couleurs un peu improbables, donc le mien sera rose. Du coup je me suis dit voilà, comme j'ai pas beaucoup de temps, que je voulais quand même vous mettre des vidéos un petit peu, je me suis dit que j'allais faire la colorisation avec vous de mes éléments, et puis on se retrouvera dans quelques jours pour faire le reste de la page. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire le fond. C'est encore la course, les vacances sont terminées, mais c'est la course. Donc du coup voilà, j'ai tamponné sur un papier multi-technique, je ne sais pas la marque, parce que ce sont des chutes que j'avais mis dans une pochette. Donc là je me suis dit c'est parfait pour faire ça. J'utilise les crayons de chez Action, hein, les crayons couleur de chez Action. Donc là je vais déjà travailler mes ombres avec le plus foncé, après je viens avec du moyen et puis je finis avec le plus clair. Je vais vous donner les couleurs. Donc pour les roses j'ai utilisé le 98, le 99 et le 100. Celles qui voudraient refaire la même chose. Voilà, 98, 99 et 100. Que dire de plus pour l'instant? Pas grand chose. Je vais vous laisser regarder la colorisation de l'éléphant. On se retrouve pour le parachute. Je vous donnerai les couleurs que j'ai utilisées. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaira du coup quand même ce petit moment passé ensemble. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas. Je sais que beaucoup aiment regarder les colorisations. C'est vrai que quand on fait toute la créa ensemble, bah du coup on met vachement en accéléré pour pas que ça dure 3 heures la vidéo, hein, parce qu'il faut que ça convienne à tout le monde. Il y en a qui aiment les vidéos longues, d'autres des vidéos courtes, donc moi j'essaye de faire une moyenne. Ouais, je me suis dit ça pourrait être un bon compromis, on fait déjà la colorisation et puis on fera le reste de la page ensemble à part, comme ça bah, celles qui aiment voir les colorisations, elles peuvent à peu près un peu plus prendre de temps pour regarder ça tranquillement. Donc voilà, allez, moi je vous laisse regarder le petit éléphant et on se retrouve après pour le parachute.
Alors voilà, le petit éléphant se termine. Là, j'ai changé de couleur, donc je vais utiliser des turquoises. J'utilise 110 et le 111, donc pour finir mon éléphant. Je vais les utiliser également dans mon parachute. Mais je vais y mettre d'autres couleurs après. Là, après, ce qui galère, c'est un petit peu la couronne de fleurs qu'il a sur la tête, hein, parce qu'elles sont toutes riquiqui. Je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est vrai que je le trouve trop choupinou ce petit éléphant. J'ai craqué dessus, bah, c'est comme l'hippopotame. Hein. L'hippopotame et le petit chien qui était sur cette planche, je pense que je ferai des créas plus tard avec aussi. Voilà, ce que je dis, les feuilles sont vraiment très très petites hein, à coloriser. Après c'est pareil, quand je vais détourer, il y a plein de choses qui vont sauter parce que je reviendrai les tamponner sur ma page pour pouvoir. Parce que je vois sa petite queue en tire-bouchon, c'est pas possible, je n'avais pas envie de laisser de blanc. Donc pour le parachute c'est pareil, pour tout ce qui est ficelle, j'avais pas envie de laisser de blanc. Donc moi je les ai détourés hors caméra après avoir fini ma colorisation. Mais c'est vrai que j'enlève toutes les petites lignes, je garde que les grosses lignes et je retamponnerai après sur mon fond. Pour récupérer mes petites lignes. Voilà ce que ça donne. C'est pareil, le gros cœur noir, je vais le placer. Je l'ai passé avec un stylo gel, mais ça, je l'ai fait hors vidéo après avoir découpé un stylo gel bleu pailleté. Et il en a un tout petit aussi sur sa patte que, pareil, j'ai fait en stylo gel bleu pailleté. Donc là, du coup, je vais garder mon 110 et 111 pour mon parachute et je vais y mettre du jaune aussi. Donc je vais prendre le 139 et le 141. Je pense à vous noter les numéros pour ça qu'il voudrait refaire pareil. Comme là, du coup, il n'y a que ça dans la vidéo, j'ai pu prendre un peu plus de temps. Pour essayer de vous noter les numéros et tout. C'est pour ça que je trouvais pas mal de faire ça aussi. Déjà la colorisation et puis après on fera la mise en page plus tard. Mais c'est vrai que pour celles qui aiment regarder, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Après, voilà, je suis pas une pro non plus, hein. Des pros de la colorisation, vous en avez des plus fortes que moi, ça c'est sûr. Parce que je suis pas une pro, mais bon, bah, voilà, on se débrouille et puis bon, ça peut donner des idées pour vos colos. Voilà, ça va se terminer tranquillement. Je vais vous laisser finir de regarder tranquillement la colorisation de la montgolfière. Donc c'est toujours pareil, j'applique mon foncé et mon clair après. Et puis bah, n'hésitez pas voilà, à me dire si ce petit format de vidéo vous a plu. Si vous préférez voir la créa entièrement d'un coup. Ou si bah, faire la colorisation comme ça d'un côté et puis le reste de la créa après, si ça vous convient aussi. N'hésitez pas à me le dire, que je sache ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Voilà, faut pas hésiter à laisser des commentaires, c'est ce que je dis. S'ils sont désactivés, ça c'est pas moi, c'est YouTube.
Donc moi, je reviens les réactiver régulièrement après. Des fois, je suis obligée de revenir 3 ou 4 fois avant qu'ils restent complètement activés. Mais voilà, j'essaye de revenir. Donc si vous avez des questions, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours bon à apprendre, de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Pour faire évoluer aussi un petit peu la chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas, voilà, laissez un petit pouce, un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. On sait qu'on a passé un petit peu de temps à faire la créa. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce, un petit commentaire sur la vidéo. Donc moi, je vous laisse finir de regarder ça tranquillement, ça se termine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour la page de Art Journal. Allez, bisous bisous.